TV, mais... vous allez regarder le débat. Ah, moi, je ce regarde. Soir. J'espère juste que cette fois, ils ont bien appris le chiffre du pourcentage du nucléaire en France, puisque chaque année, chaque, tous les 5 ah, ans. Ah, c'est ça seront... que vous attendez. Mais oui. Ah, ouais. Tu vois mais pas que le sujet tombe. Ouf. Mais non, mais tous les ans, ils savent pas. Mais t'imagines le stress. Ils savent pas. T'imagines le stress. Ils ont révisé le prix du ticket de métro, le prix de la baguette. Exactement. Ségolène, vous allez regarder ce soir, Ségolène ? Oui, je vais regarder avec une saine colère. Et j'ai conseillé Manu, je vais dire rentre-lui dans l'or à la marine. Oui, et pourquoi pas ? Et vous, monsieur Delannoy, vous êtes plutôt pro-Macron, monsieur Delannoy ? Ah oui, je suis pro-Macron, je vous le confirme. Alors j'ai dit, mon Manu, je te fais un petit massage juste avant l'émission. Faut que tu te détendes et tu donnes tout, tout, tout. Et monsieur Devilliers, vous êtes plutôt pro-marine, vous, évidemment. Monsieur Ruquier, qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez vraiment que je vais soutenir ce mondialiste, cet islamo-pédéraste, pseudo... Mais quoi, qu'est-ce que, pourquoi vous me regardez comme ça, monsieur Baffy ? C'est pertinemment qu'il y a des rumeurs qui courent concernant monsieur Macron, alors que Marine Le Pen, elle est honnête. On l'appelle le pays du fou, c'est ça ? C'est une femme superbe, Marine Le Pen. Ah, c'est beau, hein, quand même, hein, on assiste au débat. Moi aussi, moi, je peux vous dire que je les coach, c'est aussi Emmanuel Macron. Je lui ai dit, il faut absolument qu'il soit sensationnel, Manu, ce soir. Hein. Moi, j'avais tout fait avec Ségolène, j'ai aidé. Bon, elle a perdu, mais j'ai aidé. Il paraît que Karl Lagerfeld, lui, a coaché Marine Le Pen, c'est vrai ? Oui, j'ai tenté de la coacher, j'ai tenté de la rouquer, cette grosse vache. Alors, je me suis occupé de sa photo de campagne. Alors, évidemment, elle l'a photoshopée. Alors, c'est pas difficile, elle s'est enlevée 15 kilos. Mais en réalité, c'est une grosse vache. Et à ne pas louper ce soir. Et Michel, il est bon en imitateur aussi. Formidable. Très bon. Non, mais il faut que tu fasses un spectacle d'imitation. Non, c'est pas raisonnable. Mais si, bien non, sûr. Non, regarde, Duléry l'a fait, puis bon. Oui, mais moi, on reconnaît les gens. Bravo, l'imitateur. Magnifique. Ah, non, ça faut un cul. Ah oui, ça, Johnny.